Bonjour, bonjour à tous, c'est Charles Vicky, on se retrouve aujourd'hui sur Assassin's Creed Valhalla pour la suite de notre aventure sur ce jeu et on ne perd pas de temps puisque l'objectif est d'attaquer Grant Bridge. C'est parti. Le fanal a attiré mes derniers soldats. D'ici demain, nous aurons retrouvé nos forces et nous pourrons reprendre la ville. Je n'en ai pas encore parlé à Leaf, Birna et Galin. Après mes erreurs, je me demande ce qu'ils peuvent penser de moi. Ils seront reconnaissants. L'important est ta manière de commander à l'avenir. L'important est ta manière de... Ils songeront d'abord à leurs ennemis. Peu importe. Ce qui compte, c'est comment tu entends les diriger à l'avenir. Ah, c'est tout. Par le marteau de Thor, je suis heureuse que nous soyons réunis, malgré ce revers. Galin, tu as l'air éprouvée. Ne pleure pas les hommes que tu as perdus. Ils chanteront tes louanges dans la halle des morts en nous attendant. Merci, Jarl Skonar. Leaf, aucune tempête ne pourrait t'emporter. C'est bon d'être de retour, Soma, auprès de vous tous. Et sache que je te suivrai au cœur de la tempête si tu me le demandais. Birna. Je suis ravie de te revoir en vie. Et moi ravie d'être vivante. J'ai beaucoup perdu dans cette mésaventure, mais vous trois êtes toujours là. Cela fait de moi la plus fortunée guerrière de Midgard. Quant à toi, Eivor, tu as largement prouvé ta valeur. Aide-nous à reprendre notre ville, et je serai ton allié. Eh bien, en avant. Ma lame t'appartient. Pour Grant Bridge. Cette nuit, nous prendrons du repos, pour retrouver nos forces et nos esprits. Et à l'aube, Grant Bridge sera à nous. Passe la nuit dans notre campement, Eivor. Prends ce qu'il te faut. Très bien. En gros, c'est... on récupère les flèches, on récupère la santé. Et on s'apprête à l'aube à attaquer. Ah, et donc... Eh bien, on est parti. Hein? Aujourd'hui, on va couper quelques os. On a suivi le fanal jusqu'au campement. Galin, c'est ça? Oui. Et tu es Eivor, le combattant infini, ou le guerrier éternel. Un nom qui fait envie. Merci. Tu étais en mauvaise posture quand on t'a trouvé. Oh oui. Les Saxons m'ont poursuivi, m'ont fait courir dans les marais pour m'envoyer chez des brigands. Et puis les loups sont arrivés. Nous avons tous notre jour, celui de notre mort. L'important, c'est la manière dont on l'accueille. Je suis fier de dire que j'étais prêt. Eh bien, heureux de voir que tu vis encore. Faites connaissance avec les conseillers. Leaf, Soma dit que c'est toi qui as construit ces navires. C'est vrai. Ils ont tous une quille pointue. Un mât robuste et un poème gravé dans la coque, vantant les mérites du Dreng qui le dirige. Un navire est lourd de destinée. Et ses planches sont le seul rempart contre l'onde et la mort. Quel meilleur endroit pour la poésie, n'est-ce pas? En effet. Je suis heureux de combattre à tes côtés, Leaf. Moi aussi, Eivor. Merci encore de nous avoir sortis de ce mauvais pas, mes guerriers et moi. Pas de soucis, pépère. Pas de soucis, pas de soucis. Qu'est-ce que c'est ? Journal de Soma, nous avons établi un campement afin de soigner les blessés. Je vais m'occuper moi-même de chacun d'eux pour déterminer qui a besoin de repos et qui a encore soif de sang. À la tombée de la nuit, j'emmènerai deux ceux capables et avides de combattre à la recherche de mes trois conseillers. Ils sont toujours en vie, mon cœur me l'affirme. Lorsque nous les aurons retrouvés, nous reprendrons Grant Bridge, etc., etc. On a compris. On a compris. On va aller parler à la dernière personne. Et puis après, c'est parti, hein, tout simplement. Hein. Ouais, tu es Birna. Et tu es Eivor, rayon de soleil. Tu transperces la brume comme le soleil fond la glace. Ouais, merci. Bel esprit, compte tenu de la situation. L'embuscade, la perte de ton foyer. À cet instant, oui, mais... Oh, as-tu senti? L'instant est déjà parti. Nous sommes libres de passer au suivant. Quel cadeau! C'est une chance de t'avoir parmi nous, Bernard. Je t'aime bien, Eivor. Tu peux tout aussi m'aider que m'écraser et j'accueillerai les deux avec plaisir. Très bien. Très bien, Bernard, très bien. Eh bien écoutez, on est prêt à y aller. Hein. Vous voyez ici, il y a mon lieutenant. Il y a mon lieutenant qui est ici et qui sera prête à verser du sang pour vous. Le jour se lève, l'air est vivifiant. Tu es prêt au combat qui s'annonce? Évidemment. Allons reprendre votre ville.
Des paroles douces à mes oreilles. Retrouve-moi à la porte ouest de Grand Bridge. Nous sommes rassemblés là-bas. Ouais, on ne peut pas y aller ensemble. Tous en draquel. Je sais que tu ne reçois d'ordre que de ton jarl chez toi. Mais je me bats pour Sigurd. Et personne d'autre. Sur ce navire, Dag, tu combats pour moi. Et pour acquérir la loyauté de Soma, nous l'aiderons. Dag, bon, voilà. Hein, on a de plus en plus de doutes par rapport à lui, quand même. Je dis ça, je dis rien. Mais je vous cache pas que... Eivor, Eivor. Ouais, merci pour votre accueil, hein, les gars. C'est appréciable. Hein. C'est appréciable. Quelqu'un qui a les pieds dans l'eau, là-bas. Alors, du coup, on est parti. C'est par où? C'est par là, à droite, hein, du coup. C'est par là, à droite, hein, du coup. Hissez la voile! On est parti. Ah, un petit assaut de ville. Ça fait plaisir, on aime bien. Surtout que c'est pas. Il va falloir y aller discrètement. Non, allez. On rentre dans le tas. On rentre dans le tas. C'est quoi? C'est les trésors, ça? Non. Bon, écoute, on verra. Je reviendrai, je farmerai de mon côté ici. Nous verrons. Nous verrons, nous verrons. Ce qu'on veut, c'est attaquer. Faut qu'on. Enfin, t'es sur le pont? On s'arrête ici? Tu veux qu'on s'arrête là et qu'on pille? Ok, on reste comme ça. Écoutez, c'est approximatif, mais on reste comme ça. C'est approximatif, mais on reste comme ça. Et c'est bien ça, ils sont tous cachés, prêts à attaquer. Ah, bah ça se bat ici, bah pardon, les gars, j'avais pas vu, hein, moi. Ah, super, je suis un important qui est raté. Oh, c'est assaut! Ok, viens jouer. Viens jouer, l'agressivité, rejoindre le clan de Soma, pardon. On y est. On a repoussé les forces qui défendaient l'extérieur de la ville. Et maintenant, il est temps d'entrer dans la ville. On n'a pas d'armes de siège? Wigmund, fils d'indigne, je sais que tu es là-haut. Rends-moi Grand Bridge, Wigmund. Inutile d'en faire mourir davantage. Parlons, de seigneur à seigneur. De quoi veux-tu qu'on parle? Tu n'as rien qui m'intéresse. C'est la naissance qui compte, païenne. Je suis né noble. Tu sors de l'aisselle d'un géant. C'est moi qui ai bâti cette ville, qui ai fait de quelques huttes un port florissant. Et nous savons tous les deux que sans moi, tu vas gaspiller ces richesses. Pars! Et que tes païens crèvent à leur place dans la boue. Ah, c'est bien. Ils ont de quoi faire péter la porte. Essayons une dernière fois. Quitte Grand Bridge. Quand la ville sera de nouveau à moi, je t'épargnerai peut-être. C'est moi qui dirige Grand Bridge. J'en suis le maître. Et je vais tous vous chasser de cette terre, comme on chasse le pu d'une blessure. Laisse-moi te donner un conseil, vieil ours. Le meilleur moyen fallait faire de péter quand tu étais au-dessus, là. Ce n'est pas avec une lame. C'est avec le feu. Ouais. Ok, petite flèche, hein. Allez, oh, la vache, ils ont pendu des gars. Reprenez ce qui vous... Ah, l'assaut, yeah. Boum. Qu'est-ce que Wigmund en a fait? Voilà. Ce n'est pas le moment. Attendez, 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 attendez. Je reprends un peu d'élan et j'arrive. Oh là là. Oh non, il a disparu. Enfin, il a disparu. Donc il est mort quoi. Ok, bien joué. J'aime bien, franchement. Mais ma attaque, c'est incroyable, il court le gars. Ils ont pendu tout le monde. Quoi. Ah bah y'a un truc du mal. Chance de
devenir encore. Oh, oh, la décapitation instantanée. Je suis à tes côtés, Soma. Levez vos lames contre moi. Essayez un peu. On peut pas les. Ils ont pendu les habitants, quoi. Quelle bande de chacals. Je n'ai pas vu Wigmund depuis que nous avons franchi le mur. Bah, on vient d'arriver. Occupons-nous à la maison longue. Il sera sûrement là-bas. On vient d'arriver. Hein. Alors, écoute, moi j'ai la flemme de passer par-dessus. Moi, je prends une flamme. Ok. Mort à tous les Saxons. Ah, y'a des gars, les gars. Bah oui, bah forcément, on est en train d'attaquer, mon grand. Pas de prisonniers. Bon joué. Parade qui fait plaisir. Tiens. Parade encore. Et ça c'est fait. Sous les méchants. Il est décédé. Bien joué ça, l'élimination. Enfin oui, on est très bien. C'était pas volontaire. Bon, les trésors, on ira les chercher plus tard. Oh, oh la vache. Pourquoi j'ai fait ça? Ok, vite fait. On avance les gars. L'assaut. J'espérais le toucher en même temps là, mais ça va passer. Tiens, oh, contre la porte, t'étais un peu loin pour que je te plaque contre la porte. Tu vas saigner et crever. Oh, j'ai tellement chargé l'attaque. Bien joué, ça, beau boulot. Vous êtes où? Bah attendez, les gars, bah, y avait du monde derrière. Hein. Bon, j'arrive. Ah, bah, on est tous en ligne. Ah, bah c'est bon en fait. Pas te cacher éternellement. Viens affronter ta mort. Maudit païen. Wigmund n'est plus là. Il est parti. Ouais, j'avoue que j'ai tenté un câlin sur un pépère un peu gros. Raté. Sur un pépère un peu gros. Oh, le coup de bide, c'est Gragas. Attends, je vais aider la caméra de jouer. Enlève-toi, Wilfried. Je sais plus comment tu t'appelles. Mais enlève-toi, mon ami. Encore un coup de bide. Raté. L'autre. On a vu l'autre. Tiens! Soumets-toi à la supériorité! Ouais, bref, bon, écoute, j'étais pas fou. Non, mais je voulais prendre une photo, mais la position est pas forcément folle. Oh la arc! C'est le dos qui a craqué là. C'est le dos qui a craqué. Bonjour! Recrutez, bien. Okay. Quelqu'un, je serai là. Ah, n'hésite pas à venir filer un coup de main, hein, surtout. Par la fête, engraissé méchant. Eivor, avec moi. Aucune trace de Wigmund par ici. Il se cache peut-être à l'intérieur des murs. On fouille la ville. Non, il est parti, sois-en sûr. Ah pas non, mais ça m'arrangeait de tuer moi. Mais nous avons accompli l'essentiel. Oh non. Viens avec moi. Je veux que tu sonnes notre corne de bataille pour annoncer la victoire. Que tout le comté sache que nous avons repris Grantbridge. Le son de cette corne signifie prospérité, longue vie et abondance. Pourquoi moi? Et pourquoi pas? Tu as été essentiel à cette attaque et renversé la situation. Puisse le souffle de tes poumons redonner vie à ma ville. Oh, j'avoue que les pigeons ils sont tellement mal faits par contre. Enfin pour... je sais pas, comprends pas pourquoi en avoir mis.
Je comprends pas pourquoi en avoir mis. Même quand tu prends des points d'observation, ils sont tellement mal faits. Ok, victoire. Bien joué, ça. On n'a pas tué Wigmund. Mais en tout cas, on a repris la ville. Et on a un allié de plus. Regardez-vous, guerrier, sublime, magnifique, recouvert de sang. Grande Bridge est de nouveau à nous. Dès demain, vous étoufferez les derniers feux mourants de Wigmund. Mais ce soir, soyons comme les dieux. Hey. Qu'est-ce qui lui arrive à Soma? Une petite feuille à récupérer là-haut. Mon clan s'y entend en matière de fête, non? Tu t'es bien amusé? Oui. Toi, tu as festoyé ou porté le deuil? Tu semblais partagé. La nuit de l'attaque, j'ai entendu des bruits de massacre venant de la Maison Longue. En quelques instants, la ville a grouillé de Saxons. Alors j'ai ordonné la retraite. Nous avons tous notre jour, mais pas comme ça. Pas ce jour-là. On m'a déjà parlé de cela. De cette façon qu'ont eu les Saxons de sortir de l'ombre. De tout le temps que j'ai passé à Grand Bridge, ce tunnel a été mon projet le mieux gardé. Le plus grand secret de la ville. Maintenant, une centaine de Saxons au moins le connaissent. Les seules personnes à connaître ce tunnel étaient mes trois guerriers les plus proches, et moi. Ah. Tu crois que quelqu'un a trahi ? Tu penses que tu as été trahi ? J'en suis persuadé. Par qui ? Là, je suis moins catégorique. J'ignore si c'est par Leif, Galin ou Birna. Mais ce sont les trois qui m'ont aidé à creuser ceci en secret. J'espérais que tu pourrais m'aider à le savoir. Tu viens d'arriver parmi nous. Tes yeux et tes oreilles me seraient utiles. Je t'ai promis de t'aider à reprendre cette ville. Il semble que cette tâche ne soit pas achevée. Bien. J'ai chargé Galin, Leif et Birna de détruire ce qui reste du pouvoir de Wigmund dans le comté. Va les voir. Combat auprès d'eux et essaie d'en apprendre le plus possible. Découvre lequel des trois m'a trahi. Tu es plus proche d'eux que moi. Je ferai ce que je peux. Mais tu connais tes guerriers bien mieux que moi. Entre nous, je suis désemparée. Je les aime comme si nous étions nés de la même mère. J'ai besoin d'un jugement clair. J'ai besoin de toi, Eivor. Compte sur moi. Merci. Et le gars, il a tout écouté, autant là. Que tu le désires. Sois libre de fouiller la ville, le tunnel. Et prends ceci pour te remercier de nous avoir aidés à reprendre Grand Bridge. C'est l'une des rares choses qu'il me reste de ma famille de sang. Une arme. Une arme. Non ? Ouais, Pépère, il a des pop, mais il a quand même écouté. Hein. On l'a vu. Hein. Plus 2 points de compétence. Ok. Bloodwolf, bouclier léger. Alors pour l'instant, les boucliers, on n'en a pas besoin. Plusieurs quêtes acceptées. Pour l'instant, les boucliers, on n'en a pas besoin, puisque on utilise une arme à deux mains. Hein, tout simplement. Mais on a récupéré Grand Bridge. Et ça, c'est bien. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Parler à Galim, parler à Leif et parler à Birna. Eh bien, écoute, faudra qu'on fasse ça dans la prochaine vidéo, bien évident. On va regarder déjà nos points là. On va aller chercher ça. Hop. On va aller chercher ça pour aller débloquer le point là-haut, voir ce que c'est. On a 4 points, hein, donc. Volée de flèches. Toutes les flèches chargées en maintenant. Tire simultané de toutes les flèches chargées en même temps. Chaque volée de flèche consomme de l'endurance. Ouais, très bien. Faudra voir un petit peu comment ça se passe. Pas tout compris. Attaque parfaite. On peut aller chercher ça aussi. Hein.
On peut aller chercher ça aussi, hein. On l'aime bien. On l'aime bien. Après, ça, c'est directement là. Hein. C'est fou en vrai. Hein. À quel point c'est vite dispo. Mais celui-là me plaît. Ça me plairait d'aller chercher celui-là. Ah, c'est bon, je les ai tous. Et du coup, on a débloqué un bouclier. Le bouclier. Le. Blood Wolf. Bouclier de Blood Wolf. Et du coup, il n'y a pas. C'est bête ce que je vais vous lire. Hein, mais peut-être que vous le saviez, etc. Mais je préfère préciser pour ceux qui éventuellement. N'ont pas le jeu ou non l'ont pas encore, peut-être qu'ils l'auront. Il n'y a pas de niveau en fait dans les armes. Celle-ci par exemple, bon voilà, on se dit elle est pas folle, il n'y a même pas de runes, etc. C'est pas fou. Mais en fait, il suffit d'aller voir un forgeron pour l'améliorer, la passer au rang suivant. Et bah, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Ce sera plus simple. On va aller faire ça. On va aller faire ça, on va aller regarder. Et je vais vous montrer, vous allez voir. C'est cool du coup, parce que si t'as une arme qui te plaît. Si t'as une arme qui te plaît et qu'elle est voilà, comme là, grise, donc faible, en fait, bah tu peux l'améliorer pour qu'elle devienne légendaire. Alors ça coûte de plus en plus cher, il faut des matériaux, etc. qui font que, bon voilà. Mais tu peux l'améliorer pour qu'elle devienne de plus en plus, plus efficace. Et ça c'est cool, contrairement à Odyssée où pour le coup, si tu débloquais une arme rare, bah, tu pouvais pas l'avoir en légendaire. Enfin si, mais il fallait en retrouver une, la même, mais en légendaire, j'ai envie de dire, hein, pour faire simple. Là, c'est pas le cas. Là, il suffit d'améliorer et tu peux augmenter son truc. Qu'as-tu à me proposer aujourd'hui ? Et ça, c'est un détail. Alors, c'est bête, hein, c'était peut-être compréhensible dès le début. Mais c'est un détail que je n'avais pas compris, tu vois. Là, je passe en supérieur. Oui, c'est bien. Ça, on l'avait déjà fait avec cette hache-là. Je ne sais plus laquelle c'était, d'ailleurs. C'était celle-là, hache de varin, c'est ça. Mais on peut l'améliorer, tu vois, en hache parfaite ici. Puis après... Ici, on est en mythique, voilà, c'est ça. Et mythique, c'est au max, forcément, donc on peut pas l'améliorer plus. Mais du coup, on peut les améliorer au fur et à mesure. Là, celle-ci, je l'aime bien, j'ai envie de l'améliorer. Tac, je peux l'améliorer, ce qui me donne 4 points de trucs en haut, là. Et ça nous donne un emplacement de rune. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien l'idée. Je vous le dis. Je suis assez satisfait de cette petite possibilité. Je dois dire que je suis fier de mon travail. Ah, on n'a rien fait, hein. Excuse-moi de te le dire, mais on n'a rien fait. Je dois me mettre en route. Prochaine rencontre. Et j'ai farmé aussi un petit peu, j'ai fait quelques quêtes avec Reda. Bonjour. On va aller voir s'ils vont quelque chose d'intéressant d'ailleurs. Qu'as-tu aujourd'hui ? Offrande de drogue, schéma de décoration de la colonie. Ouais, c'est pas foufou. Hein. Puis ça, c'est dans un jour et 22 heures, on pourra changer. 120, le cimetière, je l'aurais bien pris, mais j'ai 98 quoi. Donc j'avoue que le cimetière, je l'aurais bien pris. Pour le coup, j'avoue que le cimetière, je l'aurais bien pris. Ouais, si, hein. Je vous le dis. Ensemble de drogue. Hein. Je vous le dis, je l'aurais bien pris. J'espère qu'ils vont changer ça, parce que je trouve que. Il n'y en a pas beaucoup. Alors après, j'ai pas encore croisé d'autres gars. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de. Enfin, on gagne pas beaucoup d'opale. Et vu le tarif de chacun des objets, je trouve que c'est un peu. Après, oui, ça va être dépenser des sous au final. Mais je trouve que c'est un peu excessif. Enfin bon. Bref. Sur ce, on a récupéré Grand Bridge. Il va falloir. Il y a eu un petit pop où j'ai bugué là. Hein ? Sur ce, fin de cette vidéo. On va se retrouver dans la prochaine pour. Bah, continuer les quêtes principales, bien évidemment, puisqu'on en a de nouveau à faire. Donc, c'est parler à Galine, à Leaf et à Birna. On va s'occuper de ceci. C'est toujours une puissance suggérée 20. Hein, donc, bon, pour l'instant, je vais pas vous cacher que ma puissance est bien supérieure. Donc, on va pouvoir les faire assez vite. Même East Anglia, au final, on n'a pas vraiment eu d'objectif dans cette zone. Et c'est puissance 55, je suis déjà au-dessus. Donc, j'ai peut-être un peu trop farmé. 90, hein. Je suis arrivé à puissance combien, hein ? 68. 90, c'est faisable, du coup. Ce qui fait qu'on pourrait aller ici. Ah bah non, on peut pas. Ah, c'est 220 ici. Ah oui, d'accord. Ah oui, on n'a pas le niveau tout de suite. Hein. On n'a pas le niveau tout de suite. Hein. Mais voilà, tout ça pour dire que... j'ai peut-être trop farmé. J'ai peut-être un peu trop farmé. Puisque notre puissance est bien supérieure à la quête actuelle. Quoi. Enfin, bon. C'est pas très gênant. Moi j'ai joué, hein. J'avais envie de farmer, j'ai envie d'aller chercher les trésors. Ça a augmenté ma puissance, bon bah c'est pas de ma faute. C'est que c'est pas très très bien équilibré en termes de... D'histoire, enfin de... Ouais si, de la campagne quoi.
On augmente peut-être un peu trop de puissance et il y a peut-être trop de missions niveau 20 nécessaires, quoi. On va mettre un petit cible d'archerie, tiens. Allez, hop. Petite cible d'archerie ici. Voilà, ce qui fait qu'ici on peut venir se poser les pieds dans l'eau et tirer avec une flèche. Hop, et c'est touché. On récupère la flèche ou pas du tout? On récupère pas la flèche. Ah, ça nous permet de nous entraîner, hein. On vient poser le drakkar au milieu de la rivière. Allez, bon les gars, ceux qui restent dans le drakkar, bah, vous vous entraînez à tirer. Hop, et puis du coup, ils peuvent apprendre à tirer. Alors, voilà, ça sert à rien. C'est vrai que ça sert à rien. Je vais changer, j'ai pas envie de ça. Je pense que je vais mettre la statue d'Odin. C'est l'entrée de la zone. Hein. Que les gens qui arrivent en bateau se disent, ok, là on arrive chez les vikings, quoi. Hein. Ya, très bien. Bref, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur le Viking sur Assassin's Creed Valhalla. On se retrouve dans la prochaine pour de nouvelles aventures. J'ai hâte de débloquer de nouveaux bâtiments parce que j'avoue que j'aimerais bien améliorer le bâtiment de chasseur. Celui-là. J'aimerais bien améliorer la cabane de chasse. Là. Mais il me faut 45 de matières premières. Et pour l'instant, on n'en a pas. Enfin, on en a 10, quoi. Et pour en récupérer, j'ai farmé et j'en ai pas trouvé. Donc ça doit être essentiellement, en tout cas, là-dedans. Dans les pillages, quoi. Et pour l'instant, j'ai plus de pillage dispo. Enfin, en tout cas, à mon niveau. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que je fasse ces deux points d'observation, histoire de voir s'il y a du pillage. Mais nous verrons. Nous verrons. Bref, bisous à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Roll Viking sur Assassin's Creed. Voilà. Et à la prochaine, allez, ciao.